Voyons voir. Et nous y sommes. Bien, bien, bien. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît Je pense que oui. Hello, hello. Voilà, voilà, on va se retrouver pour ce live. Est-ce que le son est OK, les amis Ce serait cool. Bon, super, c'est OK. Ben, logiquement, j'ai tout. Elisa, Bab, cool Cool, cool. Je ne me souviens pas d'avoir vu une Elisa dans le coin, mais bon, c'est bien. Super. J'ai pas mal de news en science, en jeux vidéo. J'ai des news en figurines, euh, en jouets, en trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai de... J'ai de la news nature aussi. J'ai de la news nature. J'ai de la news sur la chaîne, j'ai de la news plein de choses. Moi <laughs> j'aime bien quand ça commence comme ça. On est déjà 7, c'est bien, c'est super. Euh, j'ai fait un setup multicam. Euh, je vous montre vite fait le multicam. Voilà comment ça va se présenter. Parce que je suis là aussi, là, avec la GoPro qui est là, qui est planquée là. là. J'ai une GoPro ici et au-dessus en top shot, j'ai une caméra qui filme. Pour, euh, bah pour faire l'unboxing d'un cadeau que j'ai reçu d'un abonné. Hein voilà, voilà. Donc ce soir, on, on met les, les petits plats dans les grands et on fait un, un, un live multicam. Voilà, voilà. Ouais, j'ai le lien de la chaîne gaming. Euh, je vais essayer de ne pas, con... <laughs> pas faire de conneries. Je vais voir si je peux vous le copier. Euh, ça devrait peut-être y aller comme ça. Euh, bouge pas. Je vais essayer comme ça. Euh... Je le mets là, logiquement, il doit vous emmener dessus. Donc, la chaîne gaming, voilà. Ouais, déjà, on va démarrer comme ça. J'en reparlerai peut-être dans, le, dans le, le, la suite du, du live. Mais ma chaîne gaming vient d'ouvrir. Je suis en train de créer du contenu. J'ai un contenu sur Ghostwire Tokyo qui est déjà, euh, qui est déjà posté. Et j'ai réussi en, à enregistrer un contenu juste avant le live sur le premier chapitre de Fay Farm que je, fais sur, euh, que je fais sur Steam Deck. Donc là, j'ai lancé une partie sur PC pour vous montrer comment ça redémarre de zéro et c'est cool. Donc, avant de démarrer, vraiment, je vais dire bonjour à tout le monde. Jurassic Fan, salut Tatiana B, salut De Y, donc Freddy, salut Ouais, ouais, c'est cool, ton, tes vidéos de crawler sont cool. J'en ai, ai un qui est… Qui est ben, je l'ai mis là en déco. Euh, c'est super cool. Il euh, y a YouTube qui a amélioré aussi. Euh, j'ai reçu pas mal de dons la semaine dernière et ça je vous en remercie énormément. Il euh, y a YouTube qui a amélioré apparemment euh, les systèmes de récompense, je m'entends. C'est que la semaine dernière je cherchais des, des petits trucs, des animations à, à mettre en place, euh, à mettre en place quand j'ai des dons et apparemment ils ont l'air d'avoir sorti une espèce de une espèce de, de truc, quand il y a un don, je peux sélectionner des animations, on verra, je sais pas. Bref, voilà, on en parlait la semaine dernière, du coup, j'ai reçu la news euh, aujourd'hui, je crois. Donc, Elisabeth, bonjour. bonjour. Euh, Jurassic Fan, il y a vraiment du Jurassic Park Ouais, j'en ai, mais euh, peut-être pas sous la forme que tu entends. <laughs> j'en ai, j'en je, ai dans les news, mais euh, voilà. Euh, Simba, salut. Arcflow, Flow, salut. Ben, on en a, on a pas mal de. de, de, de de, 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 pas d'abonnés, mais on, on a pas mal de, de personnes qui me suivent d'habitude. Christophe, salut, euh, comme d'habitude. Donc, euh, euh, donc, Valentin, salut, accessoirement, voilà le, la chaîne YouTube. Patrick Jamais, hello, hello, hello. Jérôme Z, salut. Freddy, qui me dit, je t'avoue, je suis abo à ta chaîne pour le filmmaking, caméra, drone, RC. Ouais, mais il n'y a pas de souci, Freddy. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde sur mon contenu. Le contenu va évoluer. Je l'ai déjà dit, je le pète et je le répète que les brocantes, je vais euh, cesser progressivement, quand même. Voilà, j'en ferai une de temps en temps quand j'aurai envie. Et là, je prends. J'en ai refait la semaine dernière. Je ne prends plus de plaisir aux brocantes. C'est dingue. Je ne sais pas si c'est la mentalité des gens. Je ne. Voilà, c'est comme ça, bah, écoutez, euh, pour l'instant j'en fais, mais euh, moyen. Voilà. Euh, après c'est peut-être propre à ma région, hein, parce que j'en ai fait une dans le sud pendant les vacances, c'était super cool, on a kiffé, les gens étaient super agréables, je trouvais des trucs super cool. Voilà, donc euh, je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, c'est que moi aller au cul des bagnoles à 6h du matin avec la lampe torche, c'est pas mon, mon kiff. Donc euh, j'ai pas envie de vous sortir des vidéos où je trouve rien. Et comme je trouve rien aux horaires auxquels j'y vais, pour, pour, tout, pour rien vous cacher, euh, une, j ai, j ai, ça fait deux semaines déjà que je travaille très dur, euh, parce que j'ai aussi ma boîte de prod à gérer à côté, et euh, pour rien vous cacher, demain, demain samedi, j'ai un gros training de sport hein, pendant 12 semaines, il m'en reste 7 ou 8 encore à faire. Euh, donc demain samedi, j'ai training de sport le matin, et, euh, parce que j'en ai pas fait en début de semaine, donc ça m'a décalé d'un jour, et l'après-midi, vous voyez, on est samedi, l'après-midi, je vais tourner une review, la review de ça. La review de la petite bête, là. Voilà. Ça, je vais se tourner la review, logiquement, demain après-midi. Euh, elle a déjà fait ses premiers tours de roue. C'est juste de la bombe, euh, bombe atomique. Donc, euh, donc, voilà. Le samedi, je bosse. Le dimanche, si je vais en brocante, ça fait que je bosse aussi. Euh, donc, euh, voilà. Dimanche, je ne pense pas qu'il y ait de brocante. Et puis, euh, je verrai. J'ai bébé. J'ai ma, ma fille avec moi. Donc, on... peut-être qu'on ira se promener. Je verrai ce qu'on fait. Voilà, voilà. Euh... Alors, du coup... Christophe qui me dit, ils vont être fous nos gamers. Ouais, tout à fait. Bon, le lien ne fonctionne pas. Bon, bref, sur YouTube, ça s'appelle le Gaming de Lumpy. Vous allez le trouver, de toute façon, la chaîne vient d'ouvrir. Il y a une vidéo et il y a une vidéo qui est programmée pour demain. Là. Elle est en cours d'encodage. De, elle est dans les tuyaux, ça y est, elle est postée et YouTube est en train de la traiter. Là. Euh, Tatiana qui me dit qu'elle est là que pour les vides greniers, mais il euh, y en aura encore, mais euh, ça va se réduire. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est cool d'être là. Simba qui me dit qu'il vient de s'abonner au gaming de c'est parfait. Christophe Balester qui, euh, qui me dit que j'ai une nouvelle collaboratrice sur ma chaîne. Alors ouais ouais, j'ai ma femme qui a, qui a fait un truc sur euh, Instagram cette semaine. Pour, euh, elle était toute contente en fait. <laughs> je suis parti en presta. Euh, J'avais un gros shooting euh, de belle demeure. Et euh, ma femme me dit, je peux te prendre ton studio, je voudrais faire un truc, machin. Et puis en fait, euh, elle voulait passer des coups de fil, euh, des coups de fil pro pour son job. Elle bosse en. Elle vend de huile, des huiles essentielles qui ne sont pas données mais qui sont hyper efficaces. Donc à l'occasion, on pourra peut-être en parler avec, avec elle si vous aimez un petit peu le, le bien-être. Ça, ça peut être. On peut faire une parenthèse sur, de 10 minutes sur un live ou, ou peut-être plus, même si vous aimez ça. Et, euh, et du coup, elle était toute contente de, de me tirer mon studio et euh, <laughs> elle a fait une vidéo dans mon studio. Elle l'a postée, donc du coup, j'ai dit je, je la reposte. Voilà. Et c'est vrai que sa principale clientèle est, est très euh, brésilienne, portugaise. Voilà, elle parle très bien français. Elle vend aussi en France, mais euh, sa cible, euh, vu que c'est plus facile pour elle, c'est plutôt les, le portugais le, et le brésilien. Voilà, voilà. Du coup, Simba, les brocantes greniers c'est la vie. Ouais, ouais, je comprends bien que ce soit la vie, mais c'est peut-être plus la vie dans ma région. Ouais. Peut-être pour ça que je m'éclate plus en fait. Ça vient juste peut-être de, de là. Euh, Freddy qui me dit ça soit j'ai pris de la masse alors j'ai pris un peu ouais enfin j'ai pris un peu j'ai aussi perdu je pense en 4 semaines pas loin de 6 kg à l'aise à l'aise hein, si c'est pas plus euh, je me sens bien j'ai une bonne pêche j'ai la bonne patate euh, ça pousse bien la muscu c'est vraiment cool c'est un programme que j'avais fait euh, déjà 3 fois c'est la quatrième fois que je le fais à chaque fois il me réussit et euh, comme j'avais dit à ma femme, j'avais du bide, hein, j'avais du bid, de la graisse. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, en trois semaines, ça, ça va y aller. <laughs> Effectivement, en trois semaines, pour terminé. Donc, euh, je me connais, il y a la mémoire, euh, mémoire cellulaire, mémoire musculaire. Donc, voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je kiffe. Simba Sissou qui me dit, l'après-midi, c'est mieux. Je pense que c'est pour les brocantes et vide-greniers. Euh, Ghostplayer, hello, Ghostplayer, comment vas-tu Ouais, ma chaîne, euh, ma chaîne a été pirate par ma femme, c'est ça, Christophe. T'en es où de ton réseau, Christophe, d'ailleurs Je pensais à toi, je crois que c'est... Je pensais à toi hier. Je vais vous parler d'une collab que je vais faire. Je pensais à toi hier et, euh, et je disais, tiens, il en est où Parce que j'ai pensé à un réseau de train euh, que je vais retourner filmer là. Donc euh, j'attends, j'attends. Laurent, la brique randonneuse, salut, bienvenue à bord. Merci d'être là, c'est super. Euh, Simba qui me dit que les brocantes c'est une, une obligation pour lui. Ouais parce qu'en fait tu vends aussi pas mal d'objets donc moi j'ai pas le temps de trier, de stocker. Voilà. Indiana Bricks, Jean-Michel, Hello, bienvenue à bord. T'as testé le drone Jean-Michel ou pas euh, Bon si ça vous commencez à trouver mais ouais bah en fait Simba qui me dit qu'il a trouvé ma chaîne sur les vigs greniers. Voilà bon après une chaîne une chaîne YouTube c'est fait pour évoluer. Hein. Soit vous me suivez soit pas. Bon apparemment il y a pas mal de gens qui me suivent. Qui suivent le mec plus que le contenu, ça c'est une bonne nouvelle. <laughs> euh, Michael du barbu par barbu, barbu, pardon. Hello, bienvenue à bord. Tatiana B qui me demande si j'ai une jolie maison. maison maison. Euh, j'ai pas une jolie maison, ça va venir, ça va venir parce qu'on est en train de se projeter. Je vends où je suis, j'ai pas, j'ai un duplex. Voilà, c'est super sympa hein, où je suis, il n'y a pas de problème, mais euh, il nous manque du terrain, et euh, voilà. Euh... Christophe qui me dit, elle passe bien sur You, hyper souriante. Ah ouais, non, non, mais ma femme, elle est hyper souriante. Hein. Hyper souriante, elle est comme moi, elle est très euh, développement personnel, très, euh, très à l'américaine, très coach. Donc voilà, on est sur ce fil-là, et euh, ça marche très, très bien. Si vous voulez que je vous fasse un contenu, tiens J'y pensais cette semaine. Si vous voulez que je vous fasse un contenu sur le développement personnel, euh, pourquoi j'y suis, euh, pourquoi, est-ce que, est que ça impacte vis-à-vis -vis de ma vie personnelle, ce que ça pourrait impacter chez vous aussi accessoirement, euh, qu'est-ce que je lis comme lecture, euh, comme livre là-dessus, qu'est-ce que, qu que j'écoute comme audio, qu'est-ce que je vois comme vidéo là-dessus. Si vous voulez, un, un pourquoi pas un podcast en, sur le développement personnel, vous me le dites, il n'y a pas de problème, je vous ferai ça, et ça sera avec grand plaisir parce que j'en plus j'adore ça et que de toute façon les résultats sont là. Donc, point barre. <laughs> voilà. Vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave. Vous y croyez, c'est super pour vous parce que là pour le coup vous pouvez performer. <laughs> Mais sinon, voilà, je ne peux pas vous forcer à y croire. Moi je sais que ça marche, ma femme ça fonctionne aussi et, et ça c'est cool. Et la plupart des. des ce qui est assez drôle, c'est que la plupart des, des gens qui réussissent sur YouTube ne le disent pas, mais euh, je connais leur lecture, je sais ce qu'ils qu lisent, je connais qui ils écoutent. Et c'est assez marrant de voir les résultats qu'ils ont. Euh, donc c'est cool. Alors du coup, je continue. Et Tatiana qui me dit qu'elle est aussi là pour le live, mais il n'y a pas de souci. Euh, Tatiana qui me dit qu'il y a un décalage quand je parle. C'est quelques millisecondes. Ce n'est pas un problème. J'ai essayé de le régler, le décalage. Je ne peux pas le régler sur le logiciel. Ça ne marche pas. C'est que mon PC est trop loin de ma borne Wi-Fi. Donc, je pense que je vais acheter une antenne relais. On verra si ça améliore la chose. Sinon, de toute façon, quand j'aurai le prochain studio, quoi qu'il en soit, euh, j'aurai mon, mon accès Wi-Fi bien proche. Comme ça, je serai tranquille. Et je, et je le vois. Hein. Quand je parle, je vois le décalage que j'ai. Bon, bah le. le le son, attends, le son arrive avant, ouais, le son arrive avant ma voix, apparemment. Je suis désolé. J'essaie de le régler. Il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, et là ça marche euh, mieux qu'un temps, on va dire. <laughs> Donc du coup, Thomas Gagnard, hello. Freddy qui me dit le principal, c'est d'être à l'aise dans ses baskets. Ouais, non mais c'est clair. Mais le sport, ça aide hein, à être à l'aise, hein, carrément. Euh... Ouais, le VAR, ouais, bah, les, les, les les brocantes et vide greniers dans le Var, oui, et carrément, carrément que c'était cool. Hein. J'ai kiffé. Christophe Ballester qui me dit que son réseau, est, son réseau de train électrique est en stand-by à cause du boulot. Euh, ouais, bah ouais, je peux comprendre parce qu'on y passe quand même un peu du temps. <laughs> Freddy qui me dit que le contenu de ma chaîne est divertissant, diversifié, diversifié. Voilà, divertissant et diversifié. <laughs> J'essaye de, de l'être au mieux. Euh, J'essaye je prépare, euh, de préparer un, un mini-documentaire sur la rivière Alliée, euh, au départ de Vichy jusqu'à la descente jusqu'à Moulins. Il y a pas mal de trucs à raconter sur la faune, la flore, je, il y a à raconter sur le commerce qui se faisait sur cette rivière. Entre ces deux points, il y a, il y a eu un port fluvial aussi, euh, il y a une histoire préhistorique aussi, on trouve des fossiles, il y a eu, il y a eu des pirogues qu'en 2000 ans. Voilà, euh, j'essaye de, de, de nouer des contacts pour faire ça, et j'ai potentiellement un sponsor qui pourrait m'aider sur le matériel pour faire cette descente. Et c'est pour parler, donc ça j'aimerais bien le sortir. Je sais que c'est une vidéo qui va faire un four sur ma chaîne. Hein. C'est plié d'avance, c'est sûr c'est une vidéo qui ne fera pas de vue. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai envie de le sortir parce que c'est un exercice avant quelque chose de plus gros, un vrai documentaire. Et, euh, et voilà, ça me fait un peu la main sur le, le, le truc. Je suis en train de travailler dessus, ça peut sortir ou dans les semaines qui viennent, si ça ne se fait pas à cause du froid, ça se fera au printemps. Mais je travaille dessus. Euh... Christophe Ballester qui doit me répondre à mon avis sur le... Alors attends voir. Qu'est-ce que... Christophe Lalu qui me dit... Le mec fait le contenu. Ouais, bah ouais, après, on, on essaye. Euh... Tatiana B, ouais, alors c'est effectivement j'ai ouvert un, un Discord. J'ai ouvert un Discord, le monde de l'UMPI. Euh, je vous encourage à aller papoter dessus si vous voulez. Il y a quelques membres. Euh, moi, je n'y suis pas souvent parce que je vous ai dit que je ne peux pas être tout le temps sur les réseaux sociaux. Je, je consacre énormément de temps quand même à vous répondre et à, à m'activer sur les différentes chaînes que j'ai. Et, euh, et malheureusement, malheureusement, le Discord, je ne peux pas y être tout le temps. Mais effectivement, j'ai le Discord. Je ne sais même pas si j'ai pas mis le lien. Il faudra que je le mette, le lien Discord, dans, mes, dans les descriptions de vidéos. Euh, salut Damien, bienvenue à bord. Christophe Ballester, quand il me dit que ça peut être intéressant, je pense qu'il me parle de, du contenu en développement personnel. Donc je pourrais parler éventuellement de mon, mon, expérience, mon expérience de la chose depuis des années et des années, avec des hauts et des bas. Euh, Marie Jenkins, qui est donc ma femme, qui est, qui est là. Hello, amour. Et Patrick Jamais, chez lui, pas de décalage. C'est assez marrant, comme quoi ça vient bien de, des débits. C'est pas grave. Guéniard Thomas qui me dit qu'il s'est remis au tennis cette année, c'est vrai que ça fait du bien, c'est de la bonne fatigue. C'est de la fatigue musculaire. Ça, c'est génial parce que ton cerveau va s'oxygéner. Si ton cerveau s'oxygène, tu es beaucoup plus performant à beaucoup de choses. Tu es plus détendu. Alors, c'est incroyable parce que tu es détendu musculairement, tu es zen et ton cerveau est ultra oxygéné, tu es ultra performant. Donc, je préfère perdre une heure et demie le matin à aller faire du sport. Je passe ma journée, je suis au taquet, je crée deux fois plus de contenu qu'en temps normal. Je vous jure que c'est vrai. Je suis deux fois plus productif. Donc euh, feu patate, quoi. Le, le, le sport, euh, c'est la life. Un, euh, Valentin qui me dit euh, qu'il est dans les, les diorabins 18. Bah ouais, bah, ça c'est cool. Le problème, c'est que le 18e, c'est un peu gros. Et que le diorama 18e, <laughs> ça prend vite de la place. Sauf si tu fais des petites sonnettes. Euh, Jean-Michel qui n'est pas curieux, qui a pas testé le. Qui n'a pas testé le drone qu'il a reçu euh, en cadeau, qu'il a gagné. Et Freddy... Euh, au niveau des toiles, euh, j'ai ma toile tortue ninja qui va sortir. J'ai fait du rangement dans l'atelier. Il fait moins chaud dans l'atelier. Euh, donc c'est cool. Et Elisa qui me dit qu'elle n'a pas de décalage chez elle. Et ça c'est une bonne nouvelle. J'adore. <laughs> bien, on va passer aux news tout de suite parce qu'il y a du monde et ça c'est vachement bien. Je vais donc passer cette fenêtre ici. Euh, je passe cette fenêtre ici. Je vais passer sur... Que ça, oh là là, ça marche du premier coup, c'est fantastique. C'est fantastique. Logiquement, vous devez toujours m'entendre oui. Et ça, c'est hachement bien. Euh, J'ai vu en news le moteur quantique à base de lithium conçu par des chercheurs allemands. Donc euh, le quantique, on, on est en train de, 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 de... On est en plein dedans. En fait, le quantique, ça, ça regroupe tellement de, de secteurs. La science quantique, je vous inviterai à vous pencher dessus, euh, à vous pencher dessus parce que je n'ai pas les capacités <laughs> requises pour vous parler de ça. Bon, bref, c'est des moteurs euh, totalement euh, euh, hors des clous par rapport à du moteur à propulsion euh, à, 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 basique. Voilà. Avec un combustible. Euh, voilà. Moteur quantique, c'est potentiellement un moteur qui pourrait euh, avoir une source d'énergie quasiment infinie. Voilà. Parce que en fait, le quantique, c'est, euh, j'ai déjà parlé de ça. La, les chercheurs cherchent la particule de Dieu. La particule de Dieu, c'est ce qu'il y a entre, ce qu'on appelle nous le vide, qui en fait n'est pas vide, qui est, qui est complètement plein de vibrations. Euh, ce qu'il y a du vide, la particule de Dieu, c'est ce qu'il y a entre le vide et la matière. Et, et c'est cette particule là. Et en fait, quand euh, le quantique, c'est, c'est un peu ça. Voilà, c'est, on ne sait pas comment ça vient, on ne sait pas ce que c'est. Et, euh, et quand tu maîtrises le quantique, tu peux créer de l'énergie à partir de rien. Euh, voilà, donc je le résume comme ça. Je vais continuer. Ah, oh, j'ai trouvé ça tout mimi. Est-ce que vous vous souvenez Vous avez sûrement dû danser là-dessus. Euh, sur les Dance Dance Révolution, dans les salles d'arcade, euh, il y a des vidéos déjantées sur le net de, de killers sur ces machines. Eh bien, écoutez, je vais euh, arrêter le son quand même. Voilà, donc on va pouvoir retrouver du Dance Dance Revolution. Et j'espère que vous allez voir la taille de la bête. Euh, voilà, c'est du Konami. C'est du Konami. Mais en fait, c'est la taille de la main. Voilà, c'est à la taille de la main. Prise USB, pif-paf, la girafe. Et là, vous allez pouvoir relier ça à la télé. <laughs> la, borne, la borne, elle est magique. <laughs> la borne est magique. Et apparemment, ça marche aussi potentiellement avec un pad. Euh, ça c'est super cool. Donc voilà, vous voyez la taille de la main et potentiellement, si j'ai compris, il y aurait un pad qui serait reliable. Et là, vous allez pouvoir faire du Dance Dance Revolution Classic Mini chez vous. Euh, c'est la méga claque de la journée. Et voilà le pad au sol. Et je dis pourquoi pas, sans déconner, pourquoi pas. Voilà un classique des années 2000. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu du Mattel euh, Masters of the Universe. Donc on a de nouveaux visuels. Je vais voir si j'ai un peu mieux de faudra. Ouais, je peux pas grossir, c'est dommage. Est-ce que j'ai d'autres visuels à dérouler là Non. Donc on a les nouveaux euh... Motu Origins. Oh, nouveau, pas nouveau. Hein. Voilà, ça se... Ça, se... ça se ressemble tout à chaque fois que ça sort. Bon, il y a le Lord Grasp qui va sortir, le Trap Joe Terror qui est pas mal. On a le Stranger Things Skeletor et Demogorgon. Alors ça. Euh, on a du, cross, euh, du crossover quand même hein, sur, les, sur les Maîtres de l'Univers. Et je dis pourquoi pas Pourquoi pas C'est pour du 2024. Alors, attends voir. Les envois à partir de 2024. Et euh, il me semblerait que ouais, il, y a, il y a des nouvelles en novembre. On verra. Donc, je vais effacer ça. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Qu'est-ce que j'ai vu? YOLO Park AMK Series Rise of the Beasts Cheetor Color Prototype. C'est le prototype de Cheetor, le Transformer. Regardez la bête. Il est magnifique. Je ne suis pas sûr qu'il se transforme. C'est YOLO Park qui fait ça. Il est magnifique! Alors par contre, il faut que je lise... Euh, ouais, parce que je forcément j'ai basculé sur ce truc, je ne lis pas ce que vous dites. Euh... Donc l'étoile... Euh... Qu'est-ce que j'ai vu Ah, j'ai des pubs qui démarrent, je suis désolé. Ouais, elles démarrent toutes les 18 minutes ou 20 minutes. Je ferai pause la prochaine fois, je suis désolé. Euh... Ça, c'est les nouveaux paramètres de YouTube d'ailleurs, pour les pubs pendant le chat. Excusez-moi. Il y a toujours une pub au début, oui, mais il va y en avoir une ou deux dans. Il y en a une tous les 18 minutes, je crois. Toutes les 18 minutes, mais je verrai si je peux faire pause. Je fais, le, je fais les news et je vais voir si je peux faire pause. Euh, C'est classe et mettre de l'univers. Ouais, ok. Attendez, bougez pas, je vais voir si je peux arrêter les pubs. Non, je vais arrêter ça. Retarder les annonces. Ouais, elle se poste quand même. Bon, bref, je retarde de 10 minutes. Il y en a une dans 10 minutes. Bon, bref, on va, on va voir comment ça se goupille. Euh... Hop là. Donc, voilà, le Chitor qui est génial. Par contre, il ne se transforme pas. C'est une, une belle figurine. On a ah, la news du siècle, du Lego Animal Crossing euh, qui est officiellement annoncé. Ça, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. On a... Euh... 5-7 qui vont sortir entre 75 euros et, euh, et 15 euros. Euh, 15 euros, je ne sais pas ce qu'on va avoir. Par contre, les, les 535 pièces et les 400 pièces, la 389 pièces, je pense qu'on va avoir le musée, on va avoir la mairie, les trucs comme ça. Je vous passe. Euh... Voilà, je vous passe la musique. Voilà ce que ça va donner. mimi Donc, euh, moi, j'aime bien ça. Je pense que je vais collectionner. Bon, voilà, c'est un teaser. C'est pour Mars. C'était pas grave. Je vais euh, voir si je peux pas basculer ça ici d'ailleurs. Ouais, euh, ouais 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 si je passe ça ici c'est là c'est la cata. Alors attention. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vais basculer sur un autre écran. Et duplication non et là c'est là et là non plus. Bon bah écoutez c'est fait. Ah oh, la vache, c'est pas vrai. Voilà, tac. Est-ce que je peux aller chercher un autre écran oh, Celui-là Non. Celui-là euh, celui Celui-là, celui-là Non. Ce serait donc celui-là. Voilà, c'est bon. Ouh. Voilà, donc du coup, excusez-moi, hein, quand ce n'est pas le son qui merde, <laughs> c'est moi. <laughs> voilà, comme ça, je vais pouvoir retarder les pubs quand je vois qu'elles arrivent. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu Oui, on m'a fait la, la remarque. En fait, c'est euh, Pierre Fléché qui m'a fait la remarque. Euh, qui m'a dit, euh, parle du Mont-Blanc. Alors, le, le Mont-Blanc aurait perdu 2,22 mètres en deux ans. Alors, moi, ils me font marrer, je suis désolé, hein, ils me font marrer quand on me dit que le Mont-Blanc perd 2,22 mètres en deux ans, sachant qu'il y a euh, la tectonique des plaques, euh, donc la géologie va s'élever et s'abaisser. Il y a les, la neige aussi qui va euh, gonfler, baisser. Il faut y arrêter, je vais vous montrer le, les graphiques. Et ça va quoi 2023, on est à 4800 mètres. Euh, 4805, on était à 4807 en 1863. Euh, on est monté à 4810 en 2001. Ça a rebaissé, ça remonte après. Et voilà, la géologie, elle bouge. Euh, voilà, c'est revenu. Non mais c'est quoi Réactiver les annonces. Mais non, non, j'arrête les annonces là. Euh, donc du coup, voilà, le... Le, le, moi, le Mont Blanc, il ouais, n'y a, a, a pas de panique à bord. Il n'y a pas de panique à bord. Il y, y, y a deux mètres de moins par rapport à 1863. 1863. Je vous explique. De 1861 à 1865, on était en pleine guerre de sécession aux États-Unis. Ça commence à y aller. Quoi. Enfin, ça commence à remonter. Euh, voilà. Donc, euh, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, j'aime bien faire un petit parallèle. Pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Il y a des mecs qui étaient en train de mesurer le Mont Blanc et qui, qui disaient qu'il était à 4807 mètres. C'est pareil. Les équipements de l'époque, est-ce qu'ils étaient justes Donc voilà, bref. Mais effectivement, il fallait le soulever, le truc. Alors Jurassic Park, on avait le Jurassic Fan qui, est, fan qui était là tout à l'heure. Euh, Jurassic Park, on a un petit euh, unofficial retelling. Euh, C'est une petite histoire de Jurassic Park, du coup, qui, euh, qui sort. Euh, voilà, ça a été fait par un fan. Si vous voulez, je vous le mets dans le lien en, en, dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre ça tout à l'heure parce que là, je peux pas y aller. Je vais le mettre de côté. Paf, la girafe. Euh, voilà, voilà. Je suis content que ce, cet accessoire aussi soit sorti. J'en ai pas besoin moi. Mais il euh, y a des mecs qui ont sorti un écran qui se clip sur euh, les Xbox Series S. Et en fait, l'écran est tellement bien qu'il était officiellement euh, validé par euh, Microsoft. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, donc vous pouvez emmener votre console. Euh, et du coup, vous avez quasiment une console jouable euh, assez facilement euh, en vacances. Si vous ne voulez pas taxer l'écran euh, <coughs> de télé euh, qui est euh, l'écran familial en vacances. Hein. <laughs> bien, bien, bien. Je continue, qu'est-ce que j'ai pas lu La Terre vit pour Freddy. bah oui bien sûr, ça c'est clair. Christophe l'a eu qui dit je serais un je serais un inquiet pour la mer de glace. Ouais, mais bon, la mer de glace oui oui, il je... y a de quoi être inquiet, mais bon, ça veut pas dire qu'on va pas se taper une C'est ça qui est dingue, c'est que ça veut pas dire qu'on va pas se taper une période glaciaire. Ça s'il y a rien d'écrit et il y en a eu plusieurs, il y en aura d'autres. Donc euh... Christophe Ballester qui me dit tu as aussi l'évolution des technologies de relever G... de, le... de relever GPS. Qui devient de plus en plus pointu, mais carrément, carrément, en 1863, euh, tu n'avais pas les mêmes relevés qu que, que maintenant. S'il s'en tourne à un, un 1800. Allez, de mémoire, je crois que c'est un 1807 mètres en, euh, en 1863, c'est peut-être euh, un 1815 mètres maintenant. Donc, je, je, on ne sait pas. Voilà. Salut, West Miniature Hello, hello Allez, je continue sur les, les belles figurines Hasbro. Regardez, G.I. Joe, Classified, Range Viper. Hasbro, euh, je le répète, j'avais dit la semaine dernière, j'ai une collab qui va se faire avec eux. J'attends les figurines. Et ouais, ça, c'est cool. Il, il est chouette. Hein. Il est vraiment hyper classe. Je sais qu'il y a des collectionneurs. Moi, j'aime pas le personnage, hein. mais euh, il est vraiment hyper bien fini. Euh. Avec les armes, le backpack. Euh, voilà, on est dans un degré de finition, euh, s'il te plaît, quoi. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est quand même pas mal. Alors apparemment, j'ai une connexion qui est excellente, donc c'est parfait. Tant mieux, bonne nouvelle. Il ne devrait pas y avoir de problème sur mon live cette fois-ci, c'est cool. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu Il y a une nouvelle étude faite par des ordinateurs qui aurait confirmé la théorie qui dit que le volcanisme a accéléré la chute des dinosaures. Alors en fait, le volcanisme, il y a de très fortes probabilités qu'il ait été aussi créé par l'impact de la météorite qui a aussi précipité l'extinction des dinosaures. C'est-à-dire que l'impact a été tellement énorme que ça a créé des fractures partout sur la Terre et que potentiellement, le volcanisme s'est un peu réveillé partout. Et ça, ça a précipité euh, la chute des dinos derrière parce qu'on se trouve dans des... En plus de l'impact qui crée un hiver nucléaire, si en plus on a du volcanisme derrière, je ne vous raconte même pas au niveau euh, de l'atmosphère, voilà, il n'y a que les petits rongeurs ou les petites choses qui euh, potentiellement pouvaient survivre. L'avantage qu'il y a, c'est que le plancton commençait à se développer, et c'est que grâce au plancton, on, on a une atmosphère qui, qui a commencé à se, à se mettre en place au fil de, des millions d'années, et voilà, ça donnait la Terre à l'heure actuelle. Je suis désolé d'être un petit peu scientifique ce soir, mais bon, voilà, je, au moins, la, la chose est dite. Oui, euh... ah ouais, Jean-Michel Excellente remarque, Jean-Michel Le fabulant 2.0 Animal Crossing. Et je trouve qu'il y, y aura sûrement des, bio, des beaux dioramas à faire avec ça. Excellente remarque, ouais, carrément. Euh, Freddy qui dit qu'il est topographe cartographe et qu'effectivement, ouais, bah ouais, ouais les, les, les GPS et les RTK, euh, ça a bien évolué, les LIDAR aussi. Donc voilà, Freddy qui me dit que la figurine déchire, voilà, je, je, suis, à... je suis en retard hein, sur vos, vos messages, désolé. Euh, ils ont trouvé des protéines dans des hum, plumes fossiles de dinosaures et qui ont tendance à faire le lien entre les dinosaures et les oiseaux. Voilà, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on subodorait depuis quelques années. Eh bien, écoutez, euh, ça, ça commence un petit peu à se confirmer. Et je trouve ça super cool. Cynortinosaurus. Synortin... pardon. Voilà, ça, c'était pour le petit news cool. En toy fer. On a du euh, YOLO Park Optimus Primal AMK mini série G1. Messieurs, s'il te plaît. Pas mal de choses qui sortent. Je vous montre les photos. Euh, C'était euh, au San Diego Comic Con, j'imagine, un truc comme ça, ou euh, New York euh, Toy Fest 2023. Euh, voilà, voilà. Beaucoup de belles choses. Ah, C'est à garder, à garder en coin de mémoire, hein, YOLO Park. Là, hein. Magnifique. Hein. La grosse bête qui doit coûter très cher. Je demande une collab, tiens. Ouais, il est chouette, il est chouette. Je hein, n'ai pas vu le film. Vous l'avez vu, le, le, le dernier Transformers, là d'ailleurs Je suis curieux. Ah, et puis il y avait même des poils dessous, super. Ah, c'est chouette, hein, c'est chouette. Il y a du gros, gros, gros travail dessus. <coughs> Pardon, je bois un coup. Je bois un coup avec ma magnifique euh, bouteille Jurassic Park. Donc, on me demandait s'il y avait du Jurassic Park. Oui, il y en a. Euh, si vous voulez le lien de la bouteille, je l'ai mis en, en lien de, de vidéo, en lien de, de live. Hein. Voilà, ça se trouve sur Amazon. <coughs> Merci, bonsoir. <coughs> euh, donc, voilà, on a une très, très belle série de Transformers. On est sur du proto, hein, par contre, là. là la finition n'est pas gêne-gêne. Euh, pas ça, ça ne se transforme pas, hein, que je cherche, hein, je ne pense pas. Euh, voilà, voilà. Donc, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir là Ça pas mal. Encore en plus gros modèle. Peut-être qu'il se transforme celui-là. À voir. Pas sûr. Il est articulé en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, il y a beaucoup de proto, hein, je pense. Hein. On va voir. Ouais, proto-résine. Proto-résine. Proto-impression 3D apparemment. Parce que toutes les stries là, moi ça me paraît un peu bizarre. Donc voilà, vous avez vu les protos de chez Yolo Park. Ensuite, euh, dans les news sciences, on a le... Eh bien écoutez, on a le, le télé... Enfin, c'était un télescope de mémoire. Hein. D'Arecibo, et eh bien écoutez, c'est fini. Euh, L'observatoire d'Arecibo, qui est un télescope, voilà, de 305 mètres euh, de diamètre, Eh bien c'est fini. C'est fini. Ça c'était euh, en 2020. Il s'est effondré. Il y a une vidéo sur le net d'ailleurs quand on le voit, quand on voit les câbles péter, parce qu'en fait, c'était des câbles tendus qui, qui le maintenaient. Enfin, qui maintenait le, le, la pointe au milieu, là, qui, qui envoyait le, les, signaux radiaux, les signaux radio. Euh, bien voilà, le Arecibo, c'est terminé. Il est mort de mort. Ça pourrait très bien faire un très beau site d'Urbex, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est quand même bien gardé. Il y avait eu des épisodes de X-Files qui avaient été tournés dedans, je crois, d'ailleurs. Il me semble, hein. sauf erreur. Donc voilà, a, ça n'aura plus lieu, c'est fini. Voilà, c'est les câbles tendus au-dessus là qu'on lâchait avec l'espèce de, de, de boule au-dessus, là. Et tout a pété. Quoi. Voilà, terminé pour cibo et, et ça n'aura apparemment pas euh, lieu de nouveau. Dans les bonnes nouvelles, on a euh, un rhino de Sumatra qui est né. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour éviter l'extinction de cette espèce. Parce qu'on n'a que quelques centaines d'individus, voire moins. Je vais essayer de trouver. Euh, voilà, donc moins de 80 euh, individus recensés. Et on a quand même une naissance. Donc euh, voilà, la vie trouve toujours un chemin. Hum. Euh, au Maroc, on a euh, encore dans les sciences des fossiles. Bon, le Maroc a été une, une terre de... J'ai envie de dire une terre de fossiles, hein, qui est toujours une terre de fossiles d'ailleurs, avec une diversité incroyable. Et on se retrouve avec 90%. Euh... Alors attention, que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce qu'ils disent, qu qu disent qu J'ai survolé. Ouais. On a beaucoup de reptiles marins voilà, au Maroc. Les mosasaures, les choses comme ça. Euh, vous pouvez, si vous voulez commencer des, des collections de fossiles. Donc voilà, c'est juste pour dire que le Maroc est une terre où on trouve énormément de diversité au niveau des fossiles, euh, notamment marins. Si vous voulez commencer des collections de fossiles, je vous conseille de vous pencher sur les fossiles marocains, parce que ça se trouve encore à pas trop cher. Des dents de spinosaures, ça peut se trouver, des petites, hein, des dents de spinosaures, je pense que vous pouvez en trouver à 300 balles. Donc, c'est correct, j'en ai. Hein. Euh, J'ai de la griffe aussi. Les griffes, pareil, entre 300 et 500 euros. C'est toujours cool. Les dents, c'est pareil. Ça peut coûter euh, 100 balles pour du, de la grosse dent de Mosasaur. Voilà, on peut se faire plaisir. Euh, bonne nouvelle les magasins Toys R Us qui avaient fermé. <laughs> Toys R Us qui avaient fermé, ben écoutez, ils vont peut-être ouvrir. Et, euh, et ça, c'est une bonne, euh, bonne nouvelle. On va voir comment ça se goupille. Mais euh, c'est vrai que c'était une. Très belle franchise. Et il aurait peut-être fallu développer ça différemment. Voilà, voilà. Bethesda, qu'est-ce que j'ai vu? Bethesda qui avait sorti euh, Elder Scrolls hein, par exemple ou Fallout. Eh bien, écoutez, euh, ils sortent un jeu mobile Elder Scrolls. Scrolls. Donc, euh, enfin, l'image crédit Bethesda Softworks. Donc, on va, on verra, on verra ce qu'il en est. Ça peut être très, très cool. Pourquoi pas? Hein, un, peu de jeu, un peu de gaming sur les, les téléphones. Est-ce que vous jouez sur smartphone d'ailleurs Tiens. Dites-le-moi en commentaire. Je vais d'ailleurs lire un petit peu ce que vous me dites. Parce que là, au secours, je sais pas, j'ai... Alors, voyons voir. Bonne soirée, Freddy. Désolé. La bise. Ouais, Freddy. Ouais, ouais. Tac, tac. Salut, Kirby Kong 64. T'as... Euh... Ben écoute Simba, je sais pas s'il est bien, le Transformer, je ne l'ai pas vu. Naruto... Ah, merde, Naruto qui coupe le live. Ouais, ben c'est vrai que je suis parti dans les, dans les news, retarder les annonces, est-ce que je peux retarder, insérer une annonce Non. Il faudrait que je vois si j'ai un compteur d'annonces avant que ça apparaisse. Bref... Euh... Donc du coup... Bon bah ben, je Patrick Jamais qui me dit qu'il est très déçu du dernier Transformer, comme ça ça... plante les bases, c'était pas le seul apparemment. Hein. Euh... Tac tac tac. Le ouais, pour Christophe ouais, pour le Rino c'est génial c'est génial. Il faut juste qu'il le... qu'il le maintienne en vie assez longtemps. Hein. Ok euh, on va voir ça. Alors est-ce que je peux effacer ça? Oui. Il euh, y a une tablette babylonienne de 3700 ans qui a été euh, traduite. Alors au niveau des traductions de, de, de tablettes ou de choses comme ça, je sais que les chercheurs utilisent beaucoup l'intelligence artificielle et ça commence à faire ses preuves. Euh, donc on va sûrement avoir de, pas mal de, de, de traductions qui vont se faire. Et ça c'est vachement bien parce que ça en révélera peut-être un peu plus sur euh, les journaux de l'époque hein, qui étaient gravés. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote, euh, c'est cool. Euh, ça j'aime bien, on a du Magic, on a Magic qui sort dans la prochaine extension, euh, c'est là, c'est ce mois-ci, novembre, un truc comme ça, donc c'est du... Euh, que je dise pas de bêtises parce que moi je joue plus à Magic, là. Mais en fait, euh, vous allez trouver des cartes Magic dans la prochaine extension, c'est Ax Axelon, Axelon, Xelon, Xelan, bref, voilà. Donc la prochaine extension Magic, vous allez trouver quelques cartes, euh, quelques cartes Jurassic Park. Je vais essayer de choper un pack complet pour voir si on peut faire un unboxing et voir si on en trouve de ces cartes. Euh, parce que ça va faire des belles pièces de collection. Regardez si elles sont cool. Donc qui seront jouables, hein, des cartes jouables. Mais euh, potentiellement, vous pourrez en trouver dans le, la prochaine euh, Xalan. Xalan, ça y est, c'est revenu. Dans la prochaine extension Xalan. Et je trouve ça super bien. Voilà, les Atari. Euh, Atari, donc voilà, Atari qui se remet un peu dans le gaming euh, et qui se relance dans la course. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau euh, Toujours un peu dans le rétro, voilà. Est-ce qu'ils vont pas ressortir une chose comme ça, hein, 2600 Ça pourrait être sympa, hein Avec la technologie de maintenant, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un pavé qui est grand comme ça euh, et avec des jeux qui tiendront sur un truc comme ça, dedans. <laughs> et je finis sur une note euh, pas terrible. On a euh, Playmobil qui est englué dans la crise et qui va supprimer 17% de ses effectifs. C'est bien malheureux. Alors, c'est qu'un avis personnel. C'est pas méchant, comme je vais le dire. Je pense que Playmobil, contrairement à Lego, a, a pris le tournant des collectionneurs un peu tard. Alors, c'est pas, pas mort. Hein. Euh, je pense que c'est une boîte qui bo bosse encore à l'ancienne, un petit peu trop à l'ancienne, à mon avis. Hein. Euh, je parle en tant que chef d'entreprise et, euh, et je pense qu'il devrait faire appel à pas mal de collabs, de d'influenceurs. Collab, collab, Pourquoi je vous dis ça? je les ai contactés. Euh, et c'est vrai qu'on m'a répondu quils euh, trouvaient qu'ils avaient suffisamment de pubs gratuites euh, sans avoir à offrir des trucs, sans avoir à payer des influenceurs. Et, euh, et peut-être que... Je ne les critique pas, hein, je, je, je m'en fiche en fait. Mais euh, peut-être que le, la stratégie, elle serait peut-être justement à revoir euh, plutôt que de, de marcher un peu à l'ancienne. Et ça, c'est quelque chose que, que je vois euh, sur beaucoup de sociétés, même des sociétés locales, qui marchent encore à l'ancienne, qui considèrent que la publicité sur le net, de la vidéo ou des choses comme ça, bah, ça sert à rien, euh, que les influenceurs servent à rien. Je ne parle pas pour moi. Hein. Euh, et euh, je pense que malheureusement, il faut peut-être revoir un petit, peu, euh, un petit peu les choses, et remettre les choses dans leur contexte, de, dans, dans leur époque surtout. Donc c'est bien malheureux. Je trouve que le tournant qu'ils ont pris avec Star Trek, c'était génial. Sauf que sortir un vaisseau Star Trek comme ça, à l'époque, qui coûtait, je crois, 700 euros. Et je, je pense que ça a été un peu trop abrupt par rapport à un jouet pour une marque qui est connue pour les enfants. Euh, je pense que ça a été un petit peu trop percutant, un peu trop abrupt pour euh, bah pour des adultes qui n'étaient peut-être pas prêts à mettre 700 euros dans un vaisseau euh, Star Trek. Peut-être qu'il aurait fallu décliner une gamme un petit peu euh, un petit peu intermédiaire avec des jouets euh, allant sur du 100-150 euros pour de l'adulte. Et euh, à voir. Voilà. C'est hein, un avis personnel. J'ai rien contre Playmobil. Euh, moi, dès que j'aurai l'occasion de faire du, du test, que j'achèterai hein, du Playmobil que j'achèterai eh bien écoutez, j'en je ferai, j'en ferai, mais euh, là visiblement, de toute façon, euh, il n'est pas question de faire de, des collabs avec eux parce que ce n'est pas leur priorité. Voilà. Par contre, ils sont adorables. La dame, je l'ai eu, elle, elle est adorable. Je rebondis sur Playmobil. Bien, bien, bien. Hop là, me voici. Bon, voilà. Je rebondis sur Playmobil pour vous dire que euh, d'ici quelques jours, je vais faire gagner. Trois figurines, il y a l'autre qui est derrière là. Je vais faire gagner des figurines en résine Playmobil de 25 cm qui sont des Playmobil de collection par lot de trois. Donc prochain concours d'ici quelques jours sur c'est un concours croisé sur les plateformes. Insta, Facebook, Insta. Donc Instagram, Facebook, Twitter, euh, je vais faire sur YouTube, TikTok. Donc on fera sûrement gagner principalement sur YouTube et TikTok. Par contre. Moi, ce que je vais demander, c'est que vous vous abonniez à Plastoy. Plastoy-off, officiel. Euh, abonnez-vous à Plastoy, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Parce qu'à chaque fois, c'est un pack de plus de 300 euros de figurines Playmobil qui part. Hein. Donc, il y a 5 packs à gagner. J'en ai un en octobre, un en novembre, j'en ai deux en décembre et il y en aura un en janvier. Euh, je remercie infiniment Plastoy. Je sais que je les place à chaque fois dans mes lives. Mais euh, je suis désolé, vu la quantité de matos qui font gagner... Euh, là il faut vraiment euh, que je mette le paquet et je compte sur vous pour relayer l'info parce qu'il va y avoir des super cadeaux hein. donc, euh, donc voilà j'en ai parlé sur le dernier live mais, euh, mais là pour le coup euh, il faut pas laisser passer la chose et j'en re reparle ce soir ensuite Kirby qui me dit qu'il doit y aller bah salut euh, Christophe qui me dit quand quand il avait 5 minutes il jouait à Clash of Clans mais ça fait deux ans qu'il ne joue plus. Ouais, alors moi sur mobile, je ne joue pas parce que ça me bouffe la batterie. Et puis comme je bosse avec mon smartphone aussi, euh, je préfère garder la batterie pour ça. Ouais, Christophe, euh, les découvertes sont cool en ce moment, c'est clair. Atari, ouais, toute, toute ta jeunesse, moi je n'ai pas joué sur Atari. Euh, C'était un peu de mon époque quand même, mais je n'y ai pas joué. J'ai une Radiola, hein, qui appartient à ma mère. On a une console Radiola, ça c'est cool. Euh, Qu'est-ce qui sert à rien Simba, j'ai pas compris ce qui servait à rien. Euh, euh, ouais Christophe oui bah, c'est vieillots ils sont en train d'évoluer euh, avec euh, toutes les, les voitures euh, comme Magnum ou les choses comme ça mais, euh, mais voilà il faut, faut que ça, ça aille un peu plus loin ouais ouais alors Christophe les Hot Wheels à 3 euros on les trouve à 2 euros quand même euh, Hot Wheels ce qu'il faut savoir c'est que c'est euh, Mattel hein. c'est Mattel donc ça n'a rien à voir avec Playmo c'est vrai qu'avec la crise, ça fait mal. Et euh, il a baissé hein, le, le vaisseau Star Trek, mais euh, je crois qu'il était à 700 euros euh, ou un truc comme ça. Je vais regarder. Hein. Je regarde tout de suite. Il est, il a 500 euros. Alors autant pour moi, il a 500 euros. Mais bon, quand même, l'Enterprise, il a 500 balles. Patrick qui me demande ce que je pense d'une sortie de deux consoles, Mini Sega Saturn et Dreamcast. Alors il me semble que c'est dans les tuyaux. Il me semble que les sorties à euh, minima, minima Dreamcast, je crois que c'est dans les tuyaux, et euh, la Mini Sega Saturn. On va regarder, mais... Euh, je crois que c'était dans les tuyaux aussi. Non, alors la Sega Saturn, c'est euh, très compliqué, apparemment. Euh, c'est envisagé, mais ça reste apparemment compliqué donc à voir. Et euh, mais l'autre, je crois que c'est dans les tuyaux, hein, la, la Dreamcast. Valentien, Valentin, non, j'ai pas de news chez Solido. Euh, Solido qui gère aussi, euh, il gère quoi Il gère Jada Toys. J'ai contacté Jada Toys pour, euh, pour des bricoles et j'ai pas de nouvelles non plus. Donc, euh, moi j'ai le sentiment que c'est quand même des marques qui bossent un peu à l'ancienne. Tout, tous les mecs et toutes les boîtes que je contacte en Asie, aux États-Unis, ils répondent tous. Que ce, soit, que ce soit oui, que ce soit non, même le Japon, ça répond. Voilà. En France, c'est très rare. J'ai euh, une chance inouïe d'avoir euh, eu Hasbro. Mais Hasbro, c'est pareil, je suis passé par, euh, suis passé par euh, une piste pas possible. Hein. Euh, J'ai une chance inouïe de bosser avec Microïdes euh, sur euh, l'opération euh, Playmobil avec Plastoy, parce que c'est Microïdes qui est derrière. Microïde, éditeur de jeux vidéo, qui sort les cigares du pharaon, qui sort euh, Inspecteur Gadget, qui sort les schtroumpfs, qui sort. Voilà. Donc Microïde, je suis en contact avec eux et ça, c'est génial par le biais de cette opération Playmobil. Et euh, ils sont adorables. Vraiment adorables. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, non, mais je comprends Simba, excuse-moi, ouais. Ah, oh, Christophe, tu as un TO7. Alors, j'ai euh, mon Amstrad CPC 464 à cassette. Hein. <laughs> S'il vous plaît. <laughs> Quand même. Euh, donc du rétro, c'est cool quoi. Euh, ensuite... Alors, ArcFlow qui me dit... Euh, Est-ce que je regarde... Alors attends voir. Qui me dit... Dis-moi, tu vois qui te regarde sur TV, tel ordi euh, Ouais, dans mes stats, je crois que sur les stats, je dois savoir qui... Euh, qui utilise quoi Oui, oui, c'est pas ciblé, mais euh, j'ai le pourcentage de personnes qui me regardent sur les, les télés, euh, téléphones et ordinateurs. Ouais, ça je l'ai, la stat. Simba qui me dit demain, euh, peut-être vite grenier, il y a peut-être une braderie du secours catholique. Il ce qui est pareil. Bon, écoute, euh, demain, demain c'est samedi, donc demain je fais le tournage de la review de cette chose. Je l'ai déjà dit en début de vidéo. Voilà. Le crawler de chez FMS Modèle, pareil, ils sont adorables. Voilà. Je vais vous parler d'un truc aussi. Je vais euh, faire une collab aussi avec Diaton. Euh, Diaton qui est constructeur de drone FPV et qui euh, fabrique Snicklo RC. Bougez pas, bougez pas. Je m'avance un peu, mais logiquement on est bon. Logiquement c'est c'est euh, avan bien avancé. Donc je vous l'annonce, on va faire comme si. Et euh, je vais vous montrer ce que c'est. Donc on va être sur, euh, ça doit être là-dessus sauf erreur on va être là dessus j'espère que euh, ça va marcher on va voir est ce que ça fonctionne ça ne fonctionne pas <laughs> si voilà euh, donc niclo rc qui est donc euh, une marque de drone rc ainsi que de voitures radiocommandées et vous allez kiffer parce que voilà, donc je spoil un peu le truc, logiquement il y a un truc qui est en train de se mettre en place avec ça, euh, du FPV en micro RC, ce qui m'a fait penser aux, euh, aux personnes qui gèrent le réseau de trains électriques euh, pas loin de chez moi, et je pense que je solliciterai, si je reçois ça, je solliciterai leur, leur bienveillance pour que je puisse rouler avec cette petite chose sur leur, euh, bah sur leur réseau. Voilà, faire du 4x4 dans les, dans les réseaux, ça peut être sympa. C'est tout Mimi, c'est de la voiture radiocommandée, euh, ça mesure euh, pff, 5 cm de long. Et voilà, j'espère que vous êtes content de euh, voir ça sur ma chaîne. <laughs> voilà, peut-être que vous en foutez, mais moi je ne m'en fous pas, parce que je kiffe. Euh, Simba qui est sur iPhone, d'accord, très bien. Valentin qui a vendu sa, toute sa collection euh, de jeux vidéo. Bon après, c'est un choix, hein. peut-être que, que tu t'y remettras et que tu prendras du démat. Hein. Matérialisé. Euh, vais... Ça y est, j'ai viré les annonces. J'ai vu le. Voilà, je... il n'y aura pas d'annonce la prochaine fois. Euh... Qu'est-ce que j'ai vu Alors, le Simba qui est sur iPhone. Jean-Michel qui dit il pensait peut-être avoir autant de succès que des grossettes de chez Lego. Mais je pense que le tournant de Playmobil aurait dû se faire plus. Euh... Euh... Quand Lego. En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'ils suivent Lego. Donc quand Léo Go a, a commencé à faire son amorce, à les taper de l'adulte, je pense que Playmobil aurait, aurait dû le faire beaucoup plus tôt, mais je pense qu'ils n'ont pas vu le truc venir. Et, euh, et si c'est une boîte qui bosse à l'ancienne, euh, ça restera à bosser à l'ancienne. Malheureusement. C'est très dommage. Parce que moi, j'attends beaucoup de Playmobil, il y a tellement de choses à faire et euh, ouais, c'est dommage. Euh, Christophe Ballester qui me dit super, l'Amstrad CPC 464. La Rolls des gamers des débuts des fins des années 80, ouais. Et après, tu as eu le 6128 qui était un Amstrad à cassette, à disquette, pardon. Et euh, on, avait, euh, on avait des cassettes dans le CPC 464, les cassettes qu'on mettait dedans. Et en fait, il fallait charger le jeu pendant des fois une heure, une heure et demie avant qu'il qu fonctionne sur l'ordinateur. Sur et c'est incroyable d'avoir des jeux vidéo sur des cassettes à bande des cassettes euh, que tu pouvais dupliquer et qui étaient des mêmes bandes que les cassettes audio. Enfin, c'est incroyable d'avoir de l'information là-dessus. Euh, que, de l'information qui était lue par des PC, quoi. Incroyable. Euh, Christophe Lalue qui me dit, mais carrément pour le RCE sur un réseau, je vais bien voir ça, ouais. Donc voilà, j'attends de voir ça. On va passer au déballage du cadeau de Christophe Lalue qui m'a envoyé ce magnifique, euh, ce magnifique euh, colis. Je vais donc passer sur le plan de travail. Voilà, voilà, vous allez me voir sur cette caméra, euh, cette caméra magnifique qui est donc la GoPro. On va faire ça en top shot. Est-ce que je suis centré Je ne suis pas trop mal, hein je suis même vachement bien. Euh, voilà, voilà, je suis centré. Je remercie infiniment Christophe, euh, qui, euh, Christophe Lalu, qui m'a envoyé ce colis. Euh, J'ai pas de surprise, euh, si ce n'est que, euh, si que j'aime bien déballer les choses. Hein. Donc on va ouvrir ça avec vous. Je, je sais ce qu'il y a dedans. Mais par contre, je vais les déballer avec vous. Merci encore pour ce cadeau euh, qui est euh, emballé. Euh, ah, c'est peut-être un colis piégé. Hein si c'est piégé, au moins c'est en live. Et j'aurais dit qui a piégé le colis. Voyez, ouais, en plus, il s'est foutu de moi. <laughs> il a double emballé le, le truc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est sympa. C'est cool, c'est cool. Il m'a mis ça dans une jolie petite boîte. Donc je pense que sa femme... Euh, euh, sa femme a emballé la chose, hein, parce que ça, c'est bien colis de femme, pour que ça soit si, si parfait. Je me fais moins chier euh, quand je vous envoie des trucs. Euh, Patrick Jamais qui a regardé ma vidéo sur le, le drone pour débuter. Euh, il, il me dit Excellent, bah, c'est sympa, merci Patrick. Euh, c'est vrai que moi, les, les, reviews, euh, les reviews, ça me permet de, de sortir de ce que je fais habituellement. Hein. Et j'ai vraiment envie d'en faire euh, pas mal. Et rigolez pas, c'est encore emballé <laughs> En fait, c'est un colis piégé. C'est que des bulles. C'est des bulles que je vais pouvoir réutiliser pour les prochains. Voilà, la boîte, elle va repartir chez un autre abonné. Elle va faire le tour de la France. Ou peut-être du monde, je ne sais pas. Allez, je vais sortir. Voilà, mais il m'a fait ça. Non, mais c'est un ouf. Tu pouvais. Euh, tu... Voilà, mais. Ah non, mais c'est un, un grand malade. C'est un grand malade. Bon, alors le live se termine à Noël. Euh, je vais euh, mettre ça. Alors, la, carte, la boîte, tu m'excuses, je la mets là. Euh... Ouais bah là mais, mais Christophe mais merci c'est enfin Christophe t'es un ouf là t'es un ouf bon bah je vais on va déballer vite quand même je vais pas faire éterniser le, le live hein. mais euh, c'est dingo c'est super dingo j'ai donc ici une c'est une <laughs> Hot Wheels c'est une quoi Laying Low Rider voici la bête regardez si elle est belle Et il fait pas le point par contre aussi est-ce qu'il fait le point merci ça fait le point oui voilà Laying, low rider, regardez la batte, si elle est magique. Magnifique. Voici la première. Les petits sachets ici. Je continue. Là, c'est une... C'est une... C'est une... Super Blitzen Aria. Ah, yeah. La voici. Petite voiture. super. Est-ce que je suis droit, là, d'ailleurs J'espère. Ouais. Voilà. Magnifique. Elles sont dans un état impeccable. Merci infiniment pour ce cadeau. Euh, je suis très très touché parce qu'il y en a quand même pour un petit billet, en hein, lair de rien. Donc euh, Christophe, merci beaucoup. Hein. Sans déconner, c'est abusé, c'est abusé. Donc Christophe qui n'a pas voulu que je lui achète les, les Hot Wheels. Hein. Euh, Alfa Romeo 8C Competition. ah. la 8C Competition. La voici. Très sympa, toute mi. Mais elles sont impeccables, vraiment. Voilà. Logiquement, vous devez voir le drone plutôt, enfin le, le, la, la vue top shot plutôt pas mal. Voilà. J'ai une, elle est marrante celle-ci. Tiens donc, qu'est-ce que c'est C'est une Audacious de 2002. Je suis presque, euh, ouais, je suis presque gêné d'avoir euh, ça parce que c'est quand même des, des caisses qui datent un peu, qui sont mais qui sont neuves en fait. C'est incroyable. Je suis très gêné. Je suis touché mais gêné. Hop, je continue avec une... C'est quoi Dodge Challenger SRT Demon 2018. C'est la Jegs. Elle est superbe. Hein pouah, pouah, poi Elle est magnifique. Ça c'est tout ce que j'aime. Ça c'est de la super caisse. Ça c'est pas de la caisse qui ira dans ma, dans ma table en résine. Elle est magnifique. Je continue. Valentin qui a, <laughs> qui, a plein de, qui a plein de hot wheels à se débarrasser. Euh, 2012 Mattel, hyper truck. Voici. Voilà. Ça a le mérite d'exister. Hein. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que je pourrais les utiliser dans un, dans un circuit. Il faut que je rachète un peu de rail. Ah cool, une araignée. Je crois que j'en ai pas. J'en avais vu en brocante. Je ne les ai pas achetés. Et bah écoute, je suis content. Speed Spider, 2015. Elle est dans un super état. J'en ai chopé, là, avec euh, des boutons dessous euh, pour qu'elle s'éclaire. Tac. Je continue. Bon, ça va. Il y, y en a un peu, mais, euh, mais c'est cool. Hop Du coup, on a une Rescue 7 Rescue 7 qui est donc une de d'autres chargeurs SRT. La voici. On a un gros, gros unboxing. Je suis désolé pour celles et ceux qui ne sont pas venus pour ça. Mais euh, comme j'ai reçu ça tout à l'heure, euh, c'était l'occasion. Ah, bah là, tu me fais plaisir. Non, mais arrête-toi. Ah la vache, encore mieux <laughs> Une Porsche Ah, c'est promenitoire 911 GT2. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien une GT3. Hein le, le but du jeu, c'est de faire péter la chaîne pour que je puisse euh, me prendre une GT3. Et je ferai le tour de mes abonnés piliers pour euh, venir vous faire faire une, un tour en Porsche GT3. <laughs> voilà. Ou autre chose. Mais euh, ça serait marrant, hein voilà. Ok, je continue. C'est euh, c'est quoi où Dit un singe dessus. Phantom Racer 2004 avec une petite déco. Alors ça doit être ça le, le sens de, de marche. Hein. Elle va dans ce sens. Et voilà la tête de singe. Elle est cool. Ah, elle était un petit peu usée. Là elle finit sur le toit. Elle. C'est pas grave, c'est génial parce que je vais avoir plein de. Est-ce que vous voulez qu'on mette en place les. J'aimerais bien le faire. Euh... J'aimerais bien le faire. Je sais pas comment je peux l'organiser par manque de place, mais euh, je voulais mettre en place. On va en parler après peut-être. Je sais pas. Euh, des courses de Hot Wheels avec les pistes que j'ai. 2003-2015 The Govner. Euh, des courses de Hot Wheels en live avec euh, vos noms sur les bagnoles et. Euh, avec 4 5 inscrits peu importe et on fait un championnat un championnat, un championnat live avec des trucs à gagner ça peut être rigolo voilà Christophe qui me dit faut que ça aille dans les dans les deux sens c'est moi, moi qui te remercie pour ce que tu fais non c'est gentil mais bon après je le fais euh, oui je le fais euh, je le fais parce que j'aime ça voilà je le fais aussi un peu pour vous euh, certes mais j'aime ça. Euh, je ne, ne m'oblige pas à faire les choses c'est pour ça que quand je vous dis que je ne m'amuse plus en, en brocante donc c'est une euh, T8606 je ne sais pas quand je vous dis que je ne m'amuse plus en brocante euh, je suis franc Voilà, c'est pour ça que je suis en train de faire changer le contenu euh, parce que je, faut, je suis aussi là pour me faire plaisir moi est-ce que je peux faire le point un peu mieux là ouais. elle est magnifique alors ça ça c'est tout ce que j'aime vraiment c'est magnifique j'adore il est génial avec les. les... Oh, mais il est, il est super, ce buggy-là. Je surkiffe. Lui, je me le mets de côté. Euh, Qu'est-ce que. La SRT, là. C'est pas celle-ci. Euh, la Jags la Jags pareil, je me la mets de côté, là. Hop, ouais, ça c'est fait. Superbe. Vraiment superbe. Ah là Celle-ci, elle a eu un accident. C'est pas grave. Donc, c'est une. Euh, c'est une maximum. Euh, maxi... Ah oui, alors, carrément, ouais maximum legway, je ne sais pas. Donc je la réparerai, je la réparerai. C'est pas grave. <laughs> Hop, je vais la remettre dans un petit sachet après. ah euh... oh, super, il y a un trike dans la benne. C'est un Dodge Rampage, Dodge Rampage avec un trike, donc un trike c'est une moto à trois roues dans la benne. J'essaie de vous montrer un peu mieux là. Voilà, super. Magnifique. Ah. Voilà, de côté, celle-là aussi. Euh... Christophe Lalu qui me dit « Je peux t'envoyer un lot GT3 Hot Wheels. » Non, mais arrête-toi. Arrête c'est bon, non, non. Tu t'arrêtes avec tes conneries. Tu ne vas pas dépenser tout tes ronds à m'envoyer des cadeaux. C'est bon. Tu même pas ce que tu as fait pour moi. Power Pipes. Déjà, là, c'est énorme. Tu as vu ce que tu m'as envoyé. Il, en il, en il y en a pour un billet, là. Donc, tu tes conneries, Christophe. Voilà. Il est cool ce, cet appareil. Donc voilà, elle est super. Voilà. Je continue l'unboxing. Je suis en train de perdre des, du monde, mais c'est pas grave, il y aura la rediff. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai une synchro Mattel ici. Synchro d'embourg La voici. Très très belle. On est sur du, du un peu du proto, hein. un peu transparent. Moi j'aime bien. Voilà. Ça fera très bien pour faire des courses. Mmh. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh! pois, 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 elle déchire. C'est une. Euh, non, c'est une 96 30 T96-30. Bon, c'est du proto. Hein, c'est du proto de, de jouer. Mais alors, par contre, le, le chroming, là. S'il vous plaît, messieurs, dames. Magnifique. pois, Elle déchire. Hop, de côté. Ah, tiens, il y en a une deuxième. Eh bien, écoutez. Voilà. Bon, il y en a une deuxième. Hein. C'est la même. C'est. C'est la même. Voilà. Super. Je continue. Ah, super. J'adore. Je surkiffe. Une speed bump. Alors c'est une voiture qui semblerait... aura été écrasée. J'adore. Ça, c'est direct de côté. Ça sort de l'ordinaire. Elle est magnifique. Et là, pas calmé. Je ne vais pas faire éterniser le... Le live, on va finir après l'unboxing là. Euh, oh, elle est superbe. C'est énorme. Donc ça, c'est une BDD. Je sais pas ce que c'est. Donc ça doit être encore un proto. Elle est géniale. Oh, elle est trop trop belle. Ah, bah, en fait, c'est Noël avant l'heure. Hein. C'est Noël avant l'heure. Merci beaucoup, hein, Christophe. C'est génial. Il n'y a plus personne qui parle, mais je pense qu'il y a encore des, du, des gens. Euh, sauf erreur. Euh, ouais. Sauf erreur. Voilà, mais non, non, mais c'est ça. Les roues. On voit des roues comme ça sur les hot wheels. Elles sont phosphorescentes dans le noir. Très beau petit prototype aussi là. Moi j'aime bien. Un peu futuriste. Vous êtes toujours là, les gens? Dites-moi que vous êtes toujours là. Christophe est toujours là, j'ai bien l'impression. Une euh, legway. Est-ce que j'en ai pas une autre? Non, ça ressemblait. Très très bien aussi. La voici. Je pense qu'il y a des bagnoles qui ont été achetées dans des packs de 5-6, là, verticaux. Et d'autres un peu plus à limiter, je pense. Ok, Valentin qui est toujours euh, qui est toujours là. Bah, c'est sympa Valentin, merci. Euh, et Simba qui me dit qu'il est là, même s'il si n'écrit pas, mais pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est C'est une Diesel Boy. Diesel Boy. Pareil, on est sur un, un proto qui est plutôt cool, avec euh, les roues qui, logiquement, sont phosphorescentes dans le noir. Très très beau modèle, j'aime bien. Un. Encore une. Oh, ça ressemble à une Stingray, ça. Une crevette Stingray, non Dites-moi. De 75. Alors, elle est 2012, mais c'est un modèle 75. Je pense que c'est. Ouais, Corvette Stingray. Euh, Qu'est-ce qui est marqué dessus Rien. Mais mais je pense que c'est une, une Stingray. Voilà. La voici. Très très beau modèle. J'ai pas fini. Il y en a encore. Quand il y en a plus, il y en a encore. Euh, ensuite, j'ai une. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Une growler. La voici. Marrante. Très marrante. Un peu compacte. Euh, alors, je sais que c'est un peu flou, là. Le... J'aurais dû ouvrir un peu plus, là. Est-ce que je peux ouvrir un peu plus Non, je peux pas. Dommage. Dommage, dommage. Je vais ouvrir celle-ci. Elle est marrante, ouais, c'est euh, un proto, hein, ça aussi. Formula cela. Euh, je suis moins fan. Je suis pas ce n'est pas le, le, le problème d'être fan ou pas fan de la bête. C'est que ça rappelle des films ou de la, de la science-fiction au bouquin, que euh, je suis pas forcément apprécié. Mais euh, elle est marrante. Elle est marrante. Ok. Voilà, je vais euh, me rapprocher de l'appareil quand je fais le déballage, quand même. Ah, ça ressemble presque au, au Dinoco de, du film de Disney là. Cars c'est une, une quoi RD, RD08 sympa regardez hop là voilà allez je déballe aussi celui-ci ah celui là je l'avais repéré déjà cool donc ça celui-ci c'est un des il est très très bien tout mimi très joli super design Ok, voilà, et je vais terminer par ce modèle-ci. Voilà, qui est donc un modèle GCGW36. Voici, voilà, qui est magnifique. Je valide. Allez-y. Eh bien écoutez, j'ai pris chaud. <laughs> J'ai pris chaud parce que tout est allumé dans le studio, ben, au moins je ne me plains pas qu'il fasse froid. Euh, Qu'est-ce que vous me dites Donc tout le monde est là, ouais, 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 ouais. Lumpy, tu penses nous faire un calendrier de l'avant de Noël, une petite vidéo chaque jour? Ah, j'ai ai pas pensé, J'ai pas pensé, je vais le noter. C'est pas bête. Ça fait lourd hein, à faire. Ça fait lourd. Il faudrait presque que je commence à réfléchir à un contenu que je peux sortir. Un contenu que je peux sortir tous les jours pour Noël. Qui pourrait peut-être me permettre de booster la chaîne ou pas. Ce sera la grande inconnue. Euh, avec un mix de podcast et de choses comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous avez des suggestions, vous m'enverrez vos suggestions d'ailleurs. Ça peut être sympa. Euh, donc, ça, c'était Arc. Euh, problème, c'est que plus tu multiplies la quantité, plus tu, tu baisses en qualité. G généralement. Hein. Euh, calendrier de l'avant. En décembre, forcément. Une vide par jour. Je me le mets euh, à l'interrogatif, je ne sais pas, on verra. Une, par contre, c'est une excellente suggestion, là pour le coup. Euh, Valentin qui dit c'est la passion, ouais. Tu recherches une Porsche 911 type 992 GT3, allez c'est cadeau pour toi, Patrice. Vas-y, envoie, envoie, envoie. Le transporteur, il y a de la place pour passer le camion, c'est cool. Je serais ravi de rouler là-dedans. Hein. J'ai eu le Cayman S, qui est une très bonne bagnole. J'aimerais bien prendre un Cayman GTS. Par contre, ça coûte une blinde. Ça coûte 80 ou 90 000 balles de case. Donc, ça cogne un peu. Christophe qui me dit qu'il fait pas les inventions Hot Wheels, mais euh, ouais, j'aime bien. J'aime bien certains designs en fait. Ouais. Euh, ouais t'achètes parfois le pack pour un modèle. Bah oui, je me doute hein. ça. Euh, West miniature qui me dit qu'il apprécie tous les beaux modèles. Euh... Non, pas encore été à la boîte aux lettres. Ouais. <laughs> Donc, apparemment, y... les abonnés s'envoient des... des trucs les... entre eux. Je trouve ça super cool. Super cool, super cool. Euh... Tac, je vais garder ce lien là. Euh, je bois un coup. Qu'est-ce que j'ai oublié là Attention, c'est la pub. Bien, bien, bien. Je pense que les pubs ont dû passer, hein, très probablement. Euh... Arflo qui me dit nous... Tu nous ouvres le calendrier de l'avant Jurassic Park S'il existe, euh, je pense qu'il existe. Il faudrait que j'arrive à en choper un. Hein. Euh, idéalement en collab, parce que j'ai. En fait, j'ai plus envie de dépenser beaucoup euh, sur des trucs. Euh que je, je fais que vous présenter. C'est-à-dire que si ma chaîne faisait à chaque fois, je sais pas, 100 000, 200 000 vues par vidéo, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Bon, là n'est pas le cas. Donc j'essaye de aussi euh, économiser et de créer du contenu qui vous intéresse, mais qui me demande peu de moyens financiers. Hein c'est pour ça que les podcasts je les, je les crée euh, parce que ça fait quand même de la vue et que le podcast euh, paye un petit peu. Et, euh, et c'est cool. Alors, quand je dis un peu, c'est 1 euro, 2 euros. <laughs> mais pour moi c'est gros. Parce que ça, plus ça, plus ça, à la fin du mois, t'as 100 balles. Quoi. Euh, Valentin qui dit, si vous voyez des cadeaux, je dis pas non. Ouais, le chat BNP Paribas, bah écoutez, je suis désolé. Alors, tu as peut-être eu BNP Paribas, mais peut-être que les autres ont eu autre chose. Euh, parce qu'on sait en fonction de, de, des sites sur lesquels tu, euh, tu surfes. Hein. Ouais, les femmes de miniatures se connaissent via leur chaîne, c'est assez marrant. Et là, tu as eu Shane, euh, Simba, bah, désolé. Euh, donc, ça veut dire que tu fouines aussi sur les sites de ce genre là, tu vas peut-être aller voir Alibaba ou AliExpress. Euh, je suis désolé pour les pubs, je vais euh, régler ça pour qu'il n'y en ait peut-être qu'une seule sur le prochain live, mais je crois pas, je crois qu'on peut pas, donc je vais voir si je peux les enlever ou pas. Je vous dis, c'est un nouveau paramètre qui a été mis sur, euh, sur YouTube, là que j'ai reçu cette semaine, bon écoutez, je vais voir comment il régler ça, et on fera comme ça pour la prochaine. Je crois qu'on a fait le tour. Hein euh, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi sur ce live, on était nombreux un peu tout le temps. Euh, je vous remercie infiniment pour... Enfin euh, je remercie surtout Christophe, euh, surtout je m'entends, mais je remercie euh, énormément Christophe pour le, ce cadeau qui est énorme de, de, des voitures, euh, des voitures euh, Hot Wheels. Donc on va continuer de faire des lives, on va continuer de faire au mieux. Je vais continuer de faire des cadeaux, j'en ai pas fait ce soir, je suis désolé. On a bien, bien gavé la semaine dernière. Mais euh, les cadeaux vont, vont arriver, j'ai encore des trucs à filer, donc ça va être super cool. Euh, la bise tout le monde, à très bientôt sur le monde de Lumpy, passez un bon week-end, on reste en contact sur les différentes chats, euh, post-communauté et compagnie, le Discord si vous voulez, euh, si j'ai deux minutes, et puis, euh, et puis voilà. Euh, en, Alors, en lien de vidéo, vous avez le lien de la bouteille que, dans laquelle je bois, si vous aimez ça, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ces, ces petites bricoles. Et je vais vous mettre le lien de Gizmodo là, sur le, la vidéo du mini-film Jurassic Park d'une minute trente. Voilà. Euh, et bien voilà. Bonne soirée Patrick, bonne soirée Christophe, Balester, l'alu et compagnie. Et on se dit à très bientôt pour un prochain live et à très bientôt pour un prochain podcast. Et euh, mercredi, je ne sais pas ce qui sort et c'est la grande inconnue. Dimanche prochain, c'est déjà posté. Et dimanche, dans deux jours, c'est une vidéo d'un vide-grenier chez l'habitant. Hein voilà. Allez, la bise. Tchuss!